Ok, dans cette capsule, on va introduire les PLL, euh, qui veut dire Phase Lock Loop en anglais, ou boucle à verrouillage de phase en français. À quoi ça sert une PLL? Euh, ben une PLL, c'est qu'on prend un signal qu'on fait rentrer dans la PLL. Ici, on va avoir notre PLL. Et ce qui va ressortir de l'autre bord de la PLL, c'est un signal à la même fréquence que ce qu'il y a à l'entrée de la PLL. Euh, bon, vous allez me dire, à quoi ça sert... Une PLL, si on fait juste retrouver un signal à la même fréquence de ce qu'il y a à l'entrée, donc on pourrait juste mettre un fil pour retrouver le même signal. Euh, mais le problème, c'est que le signal à l'entrée, oui, il y a la fréquence qu'on veut retrouver, mais il y a d'autres choses aussi qu'on ne veut pas nécessairement avoir à la, à la sortie. Euh, comme par exemple, par exemple, on peut aller retrouver la porteuse d'un signal AM, comme ça ici. Donc on va éliminer les variations d'amplitude de composition, on va juste avoir un sinus à la fréquence de la porteuse du signal AM qui va sortir de la PLL. Euh, on peut, ça marche aussi en numérique. Donc, on pourrait avoir un signal numérique comme ça ici avec beaucoup de 0, 1. Puis, on voudrait aller retrouver l'horloge de ce signal-là. Donc, la PLL va être capable d'aller retrouver à l'intérieur les plus hautes variations euh, de niveau. Puis, il va être capable de nous sortir l'horloge de notre signal numérique. Euh, la PLL peut aussi être utilisée euh, comme fil pass bande si on veut. Euh, donc, si on a un, un sinus comme ça ici qui rentre dans notre PL mais avec beaucoup de bruit. Donc, notre sinus serait comme ça ici. Puis ça, ça rentre dans la PLL. Ce qui va sortir de la PLL, c'est un sinus à la même fréquence, mais un beau sinus, comme ça ici. Donc ça va éliminer le bruit. Donc on peut dire que ça agit un peu comme un filtre passe-bande euh, aussi en même temps. Et aussi, une PLL, ça peut servir à créer un dé juste à créer un déphasage entre un sinus qu'on a à l'entrée et un sinus qu'on a à la sortie. Euh, comme le nom le dit, c'est une boucle à verrouillage de phase. Donc on peut, à l'intérieur de la PLL, dire oh, Je veux que tu te verrouilles sur. Euh, Pi sur 2 de décalage avec ce que tu as à l'entrée. Donc, on pourrait générer un sinus décalé de pi sur 2 du sinus à l'entrée qui serait exactement la même fréquence mais décalé de pi sur 2. Donc, en gros, comment ça fonctionne une PLL On a notre signal d'entrée qui rentre ici, ça peut être notre signal AM, notre signal numérique qu'on veut retrouver l'horloge, euh, plein de signaux différents. Euh, ça, ça va rentrer dans un détecteur de phase. On a aussi un autre signal qui rentre dans le détecteur de phase. Donc, ce que le détecteur de phase va faire, il va trouver la différence de phase entre ces deux signaux-là, puis il va générer une tension. Euh, continue qui est proportionnel au déphasage. Donc si on a un déphasage de 0, euh, si les deux signaux ici sont en phase, donc deux sinus euh, en phase, mettons, le détecteur de phase va sortir 0 à sa sortie. Si y a un déphasage de pi sur 2, ben, on aura un certain facteur euh, K, mettons. Ici, donc le détecteur de phase K fois le déphasage entre les deux signaux. Donc euh, si on a pi sur 2, ben, on pourrait avoir, euh, mettons, 3 volts fois pi sur 2. Donc ça va nous donner la tension qui va sortir du détecteur de phase. Donc on peut avoir Plusieurs types de détecteurs de phase. Ça sert à trouver le déphasage entre les deux signaux. Après ça, euh, on va skipper le fil passe-bas pour tout de suite, je vais y revenir après. Euh, on va rentrer dans un VCO. VCO, ça veut dire Voltage Controlled Oscillator. Donc, qu'est-ce que ça veut dire un Voltage Controlled Oscillator C'est un oscillateur qui est contrôlé en tension. Donc, c'est quelque chose qui génère un sinus à la sortie, donc une belle, une belle ondulation, mais si on y rentre une tension à l'entrée, ça va faire varier la fréquence de ce sinus-là. Donc plus on rentre une tension haute à l'entrée ici, plus que le V à l'entrée est grand, plus que la fréquence à la sortie va être grande. Plus qu'on rentre un V qui est petit à l'entrée ici, plus que la tension, euh, la fréquence à la sortie euh, va être basse. Euh, donc c'est le but du VCO ici. Puis c'est ici aussi qu'on va prendre notre sortie. Donc la sortie de la PLL, c'est la sortie du VCO, mais on utilise aussi ce signal-là pour aller trouver la différence de phase qu'il y a entre le signal d'entrée et le, notre signal de sortie. Euh, le fil de passe-bas, son rôle, lui, ici, c'est qu'on remarque qu'ici, ici, il y a des variations rapides de fréquence, donc si, euh, disons, notre signal de sortie, il y a un bruit, ou une, signal, notre signal d'entrée, il y a un bruit, puis là, il y a une grosse différence de phase. Si je ne mets pas de fil de passe-bas, mon VCO, lui, va générer tout de suite une grosse fréquence. Euh, mais c'est peut-être juste un, un petit bruit qui nous a fait décaler. Donc le de passe bas sert à avoir à, à stabiliser la PLL, donc à filtrer les, les grosses variations de fréquence, puis qu'on a une belle transition lisse vers la fréquence qu'on veut en sortie. Donc ça va éliminer les variations rapides de fréquence. Donc c'est ça pour le fonctionnement général d'une PLL. Merci. À la prochaine capsule.